Bon, de retour sur notre vidéo sur le blues. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie de piano. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai modifié ici, on avait un fa dièse avant sur cette note. J'ai mis un sol bémol, c'est plus logique, hein. Dans la descente, sol bémol, fa. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai enlevé ici, sur la partie de piano, j'ai enlevé toutes les notes de main gauche. Elles nous intéressent plus ou pas. Parce que ce sont des redites de la partie de basse. D'accord? Là, on avait un si bémol, là, on avait un mi bémol, là, on avait un si bémol. C'est ce que joue la basse. Et en plus, comme ces notes-là, c'était des rondes, elles avaient tendance à frotter avec tout ce qui se passait ici au niveau de la basse. Donc, c'est pas utile. On va s'intéresser directement à notre partie de piano. Alors, c'est là que va arriver la notion de comping. Le comping, c'est l'accompagnement, c'est l'art d'accompagner. On le retrouve pour le piano, pour la guitare, pour la batterie, pour le vibraphone. C'est-à-dire que on joue jamais de façon statique les accords sur le premier temps et on fait sonner des rondes. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que le pianiste va interagir avec le thème tout d'abord, puis le pianiste va interagir avec l'improvisation. Donc, on va voir ce que peut proposer rythmiquement le pianiste, et donc ce que vous, ici, ou nous, on peut proposer sur notre blues pour enrichir rythmiquement cette partie du piano. Donc du coup, c'est un petit peu, on le fait en aveugle parce qu'on n'a pas de mélodie et on n'a pas d'improvisation qui sont en cours. Mais on va voir rythmiquement ce qu'il est possible de faire. Première chose, on va laisser cet accord sur le premier temps. On va s'intéresser au deuxième accord qui est le mi bémol 7. Alors, rythmiquement, on va pouvoir, dans un premier temps, jouer autour du premier temps. C'est-à-dire que ici, notre accord, on va l'anticiper. Au lieu qu'il démarre sur le premier temps de la deuxième mesure, on va le faire démarrer avant, juste avant, une croche avant. Donc, c'est-à-dire à la fin de la première mesure. Donc, on va supprimer cet accord ici. On va changer la valeur. Ici, on va passer sur une blanche pointée. Là, il nous reste un soupir. On va lui demander deux croches. Et sur la dernière croche, on va rentrer notre accord pour une valeur de croche. D'accord. Ici, on va le prolonger pour la valeur d'une blanche pointée. On choisit la valeur et on fait plus. Voilà, il faut être en mode note. D'accord? Donc ici, on a bien toujours notre accord. On va le renoter mi bémol 7. Et là, on a une anticipation. On va le noter. On va le glisser dessous, ce sera plus joli. Et maintenant, on écoute l'anticipation de l'accord mi bémol 7. Anticipation. Qui dit anticipation dit retard. Alors on va utiliser le retard ici, dans la deuxième mesure du si bémol 7. Qui dit retard, donc on va décaler d'un demi-temps. Voilà. Au lieu de jouer sur le temps, on va jouer sur le et du premier temps, juste après le temps. Donc on va le mettre pour une valeur de. Bon, on va le faire juste une blanche pointée du coup. Une noire pointée, pardon, du coup. Voilà. Et là, on a donc un retard. On va l'écouter. Ah, il me manque une note, tiens. Donc, on va le noter, le retard. Et on va écouter l'effet du retard. Maintenant, on va passer de l'anticipation, on revient sur le temps et on fait un retard. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a fait rentrer aussi là-dedans? On a fait rentrer des silences. Les accords n'ont pas besoin de durer 4 temps ou remplir tout l'espace. On peut mettre des silences. Les silences, c'est comment dire, c'est une très bonne façon d'enrichir notre rythme.
Parce que le son débute à un endroit, se termine à un autre endroit. Donc ça fait deux événements rythmiques. L'attaque du son et l'arrêt du son. Donc ici, dans les notions qu'on a rentrées, on a rentré une notion de silence. Alors ça, on peut l'utiliser plein de façons différentes, évidemment. Le Mi bémol 7, lui, on va le garder là. On va le garder tel quel. On va s'intéresser au Mi diminué 7 ici. On va lui faire quoi, lui? On va faire rentrer un rythme. On va répéter l'accord dans la mesure. D'accord? On va répéter l'accord avec un rythme qu'on appelle le rythme Charleston. Alors, c'est un rythme qui est composé d'une noire pointée et d'une croche. Donc, on va rentrer ici notre accord noire pointée. Et on va lui faire jouer une croche. Ok. Donc on remet le nom de notre accord. Là, on lui dit qu'il s'appelle rythme Charleston. Voilà. Ce rythme s'appelle Charleston parce que c'est le rythme qui est caractéristique du style musical Charleston. Alors, on va l'écouter. On va d'abord écouter que lui. D'accord. Donc ici, on a répétition avec le rythme Charleston. Et on a un silence aussi. Hein. Encore, on revient sur silence. On écoute depuis le début. Anticipation. Retard. Charleston. Ici, si on le sait, on va utiliser un autre système de répétition, mais un système de répétition court. On va répéter l'accord dans le même temps. On va utiliser un silence sur le premier temps. Voyons voir. On met un silence. On va mettre un soupir. Et dans le deuxième temps, ici, au lieu de jouer l'accord une fois, on va le jouer deux fois. On doit faire croche et croche. Alors, on va lui demander. Alors, une note en trop. On va lui redonner son nom. Voilà, on va écouter. Alors là, on l'a répété et donc c'est répétition. Répétition et silence. On va le garder comme ça. On pourrait lier ici la deuxième croche avec une noire, voire une blanche pour arriver jusqu'au Do mineur 7. On va le laisser très court, peut-être pas ce qu'il y a de plus joli là, mais ça nous donne un exemple. On utilise la répétition et le silence. Et si on écoute bien à cet endroit-là, répétition et silence, on a juste deux coups comme ça, et rythmiquement c'est très fort. Les silences qui encadrent deux sons ou un seul son, ça met en valeur ce son sans que le son traîne. Voilà, on écoute depuis le début maintenant. Voilà les principaux exemples pour le comping. On reprendra dans une prochaine vidéo avec comment faire mieux sonner cette partie du piano, mais pas au niveau rythmique. Ça, on a vu quelques pistes. On va voir dans la prochaine vidéo comment changer le voicing ici. D'accord?
Voilà. Allez, à la prochaine.